Si tu veux savoir comment je suis passée de chill à cutie, c'est tout de suite. On va commencer par les cheveux. Je vais venir mettre mon lait capillaire, mon beurre et après mon Jamaican Black Castor Oil. Quand mes cheveux vont être bien hydratés, je vais venir mettre un tout petit peu de gel du côté où je vais faire ma raie. Comme mes cheveux sont courts, je vais pouvoir bien délimiter mes cheveux. Je mets du gel sur la totalité de mes cheveux et je fais attention à ce que le gel soit plutôt bien réparti. Je fais cette coiffure sur des cheveux plutôt mouillés, mais pas d'un bruit froid. Le peigne va venir m'aider à bien répartir le gel sur les cheveux et ça, franchement, prenez le temps de le faire parce que c'est hyper important pour la suite de la coiffure. De ma ligne de cils naturelle. Comme ça, le fini est tellement plus invisible. Là, pour le coup, je voulais vraiment un rendu hyper invisible, hyper naturel, tout en ayant ce petit côté flirty. Donc, je suis pas partie sur des cils très longs.
Regardez, j'ai mis mes petits bijoux. J'ai mis mes petits créoles. Et j'ai deux petites pointes en cœur que j'avais eues également. Je ne sais plus où, mais je te le mettrai en barre d'infos si jamais je le trouve. Pour la tenue, j'ai décidé de mettre cette petite robe. Mes voisins. Cette petite robe rouge. En bijoux, ben, j'ai mis comme d'habitude ma montre Michael Kors, une petite bague que j'ai eue depuis je ne sais où, un petit bracelet également, le tout doré. Je fais le choix de ne pas mettre de collier parce que je dis toujours que mon tatouage abîme mon cou. Et voilà, moi j'aime bien comme ça. Donc la robe elle est comme ça derrière. Je n'ai pas encore arrangé le truc. Hein. Donc comment. Oui, voilà, elle est comme ça. La robe, elle est comme ça derrière. Et comme chaussure, vu que j'ai oublié mes chaussures chez ma cousine, je vais mettre cette petite paire de sandales qui va particulièrement bien avec. Qui va particulièrement bien avec un petit sac que je ne mets pas pour que. Je savais pas où placer, que j'y mets pas plus que ça. En plus, bon, c'est une collab de personnes que je n'aime pas trop. Mais bon, c'est un cadeau. Donc, du coup, je l'apprécie quand même à sa juste valeur. Donc, voilà. C'est ce petit sac-là. Et comme on sera en intérieur de toutes les façons, j'ai pas besoin de m'habiller tellement plus que ça. Mais pour aller dehors. Voilà, nous jetons ça sur notre épaule, hein, calmement. Et finalement, ouais, ça donne un look plutôt pas mal. C'est dommage que ma caméra ne puisse pas vous aider à voir le général. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, tu n'oublies pas de me laisser un j'aime. Tu n'oublies pas d'être abonné à la chaîne. Et de laisser tous les commentaires qui te feront plaisir. Et en attendant, je te fais de gros bisous. Bye!